Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Dead Space 1 et on se retrouve tout simplement pour un nouveau trophée spécial. Il s'agit du trophée Interception, donc un trophée que vous pourrez réaliser à plusieurs moments du jeu, vous allez voir. C'est en fait très très simple. Il s'agit tout simplement d'un trophée où vous devrez attraper une cosse de Léviathan ou de Brute. Donc vous avez deux adversaires qui vous balancent en fait des sortes de projectiles explosifs. Et si vous arrivez à l'intercepter en l'attrapant avec la télékinésie, vous obtenez le trophée. Donc personnellement, je vais réaliser ce trophée contre le Léviathan. Donc si jamais vous avez oublié le Léviathan lors de votre première partie, bah tout simplement, n'oubliez pas que vous avez le mode impossible après qui vous permettra de débloquer ce trophée. Personnellement, je l'ai débloqué en vidéo d'histoire lors du mode impossible. Donc vous pouvez aller voir l'obtention de ce trophée à ce moment-là. Mais je fais une petite vidéo annexe pour vous présenter comment ça marche. Donc sachez que les brutes sont tout simplement les gros ennemis avec des armures, donc avec une carapace en fait. Donc quand vous leur tirez dessus, ils se mettent à moitié en boule et il faut aller derrière eux pour leur tirer dessus. Donc, vous voyez sûrement de quel ennemi je parle. Un ennemi qui apparaît pour la première fois lors du chapitre 4 quand vous êtes sur la passerelle. Donc cet ennemi-là, si vous jamais vous lui coupez les jambes et que vous vous éloignez, celui-ci va vous balancer une cosse, justement. Donc vous pouvez obtenir ce chapitre, enfin ce trophée, pardon, dès le chapitre 4. Mais moi je vais l'obtenir enfin, lors du chapitre changement d'air. Donc le chapitre 6, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc contre le boss Léviathan. Vous allez voir que c'est un trophée qui est assez simple à obtenir. Vraiment très très simple même. Donc on attend que la porte s'ouvre. Donc vous allez voir que le boss Léviathan, il faut tout simplement lui exploser ses trois premières tentacules et ensuite il va vous balancer une cosse. Donc du coup la vidéo, je vous présente quand même tout ça. Je regarde si j'ai quand même assez de munitions parce que je joue un peu le ouf, j'y vais comme ça. Mais donc la première tentacule, hop, donc c'est parti, on va lui mettre quelques hits, on en profite et on va tout de suite, hop, s'élancer juste là pour esquiver le coup de tentacule. Parfait, hop. Alors même si vous battez pas le boss, le principal c'est que vous avez le trophée, hein, tout simplement. Ça se fait très très facilement. Donc l'objectif c'est voilà, tirer là-dessus, hop, vous vous élancez. Sachant que la tentacule part à droite, donc n'hésitez pas à vous élancer directement sur la gauche. C'est assez un petit peu plus safe. Voilà, hop, la troisième. Oh bah même pas en fait, celle-ci c'est carrément... Alors ce qui est bien dans cette pièce, c'est qu'il y a énormément d'objets, donc n'hésitez pas à en ramasser un maximum. Hop, on s'éjecte vers la droite, vers la gauche, pardon. Hop, ici on va voir. Alors en plus ce qui est bien, c'est que juste après, vous avez un petit peu de temps pour exploser tout ça. Tac. Voilà, nickel. Vous voyez, il manquait un tir de cutter plasma, donc ça va. En plus, vous avez beaucoup de munitions, beaucoup de vie sur ce passage. Donc ça c'est plutôt cool, ça vous permet de vous restaurer si jamais vous avez besoin. Parce que le Léviathan en raisonnable ne vous posera, je ne pense pas, beaucoup de problèmes. Mais en impossible c'est vraiment beaucoup plus dur. Donc là regardez, il va me balancer des cosses tout simplement. Donc là je les attrape, regardez, hop, télékinésie, tac, vous les renvoyez. Hop, vous les renvoyez. Et ce que je vous conseille de faire, il va en balancer une cinquième, vous balancez celle-ci au centre. Et si vous visez le point sensible tout simplement du Léviathan, vous allez faire énormément de dégâts. Parce que c'est des trucs explosifs qui sont vraiment beaucoup de dégâts. Alors vous avez en plus tout le temps que vous voulez pour le faire. Parce que vous voyez qu'il en balance à chaque fois que vous tirez sur le centre. Donc là, hop, vous obtenez vraiment le trophée. Bon voilà, super facilement quoi, il n'y a rien à dire. Donc voilà, tout simplement. Donc normalement, dès la première fois que vous obtenez... Enfin, vous... que vous attrapez une cosse, tout simplement, vous débloquez ce trophée. Donc je vais vous... Je vais vous donner son nom en anglais, enfin en tout cas sur ma console pour vous montrer qu'il est quand même débloqué. Par contre, j'ai toujours un petit peu de mal à le trouver. Je ne sais pas du tout comment. Ah oui, voilà, c'est Playing Catch. Donc Catch Brute, or Leviathan Pod using Kinesis. Donc voilà, en français, c'est tout simplement attraper une cosse de Leviathan ou de Brute en utilisant la télékinésie. Et ça vous donne ce petit trophée bronze. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur Dead Space. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai. Avec plaisir. Si jamais vous avez envie de le faire sur une brute, je vous conseille de le faire sur un Léviathan parce que c'est 1000 fois plus facile. Parce que les brutes, souvent, on les tue assez rapidement. Et donc voilà. Mais sinon, la technique, c'est vous leur couper les jambes. Et tout simplement, normalement, si vous leur coupez qu'une jambe, ils sont encore vivants. Donc vous vous écartez, vous éloignez, il va ramper vers vous. Et comme vous êtes loin, il va vous balancer une cosse, vous l'attrapez et le tour est joué. Donc voilà, rien de plus compliqué. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annexe. On se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Dead Space.